read the word of God. Ouvrez vos Bibles dans Jean chapitre 3. Open your Bibles in the book of John chapter 3. Non, chapitre 4. Chapter 4, sorry. À partir du verset 16. C'est chapitre 3, je ne me trompe pas. Oh, c'est chapitre 3. Verset 16 jusqu'au verset 18. Verse 16 to verse 18. Alléluia. Une très bonne parole. A good word. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance à la personne du Fils unique de Dieu. Une main d'acclamation à notre Dieu. Je vous en prie, prenez place. Une très belle parole qui résume tout ce que Dieu a fait. A good word that summarizes what God did. Dieu est en train de faire maintenant. What God is doing at this moment. Et ce qu'il fera dans l'éternité. And what he will do in eternity. C'est pourquoi je dis que c'est une très bonne parole. That's why I said that it's a good word. Nous n'avons pas à poser la question. We don't have to ask ourselves a question. Parce que les choses dont on parle ici. Because the thing that mentioned here. Nous l'avons déjà vécu. We've already experienced it. Et d'autres maintenant nous sommes en train de le vivre. And others are going through it. Et les autres nous les attendons pour l'éternité. And we are waiting for those in eternity. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est amour. God is love. Alléluia. Amen. Notre Dieu a un amour que nous ne pouvons pas décrire. God's love is indescribable. L'amour de Dieu nous dépasse. His love is beyond us. Parce que c'est un amour que nous ne pouvons pas nous aussi avoir comme il faut parfaitement. Because it's a kind of love that we don't have perfectly. Et chez l'homme. And in human. Nous les hommes. As the human beings. Lorsque nous voyons ou nous entendons quelque chose dont nous ne sommes pas capables de faire. When we will see or hear something that we're not able to do. Nous avons l'habitude de dire c'est vraiment impossible. We have the habit to say that it's impossible. C'est pourquoi l'amour de Dieu. That's why the love of God. À la compréhension de l'homme. To man's understanding, c'est impossible. It's impossible. Il faut être un élu pour pouvoir comprendre. You must be an elected one to understand that. L'amour de Dieu n'est pas à la portée de tout le monde, les gens que vous rencontrez sur la route. God's love cannot be understood by anyone that you meet on the road. Il n'y a que les élus qui peuvent comprendre et saisir ce que signifie l'amour de Dieu. It's only the elected one that can grasp and understand the meaning of God's love. Alléluia. Amen. J'ai pensé, je peux vous donner le titre du message. At the title of our message. L'amour de Dieu est profond et large. God's love is deep and wide. Alléluia. Amen. Pour ceux qui ont fait le corps de dimanche connaissent ce cantique. For those who did the Sunday school knows the song. Dans la plupart des écoles de dimanche, on chante ce cantique. In many Sunday schools, they sing the song. Et je me suis référé à ce cantique pour pouvoir donner le titre à ce message.
And I was thinking about that song when I was deciding on the title of my message. L'amour de Dieu est profond et large. God's love is deep and wide. Frères et sœurs en Christ. Brothers and sisters in Christ. J'ai réfléchi au sujet de l'amour de Dieu. I've thought about God's love. Je n'ai pas trouvé une illustration qui puisse nous faire comprendre cet amour. I was not able to find an illustration that can make us understand His love. La illustration que je peux trouver, c'est l'illustration des hommes. The only illustration that I could find was an illustration from men. On nous venait de dire que c'est très difficile de comprendre cet amour. And also I just said that it's really hard for human beings to understand that love. C'est pourquoi je me suis référé à moi. And then I fell to myself. Donner un exemple qui me concerne. And give an example that concerns me. Parce que là je comprends mieux. Because I can understand. Alléluia. More. J'ai donné l'exemple lorsque je suis tombé malade en 1996. So I thought about the example when I fell sick in 1996. Ma femme m'a entouré d'un amour que je ne peux pas comprendre. My wife covered me with a love that I cannot understand. Il m'a encadré avec un amour que je ne parviens même jusqu'à présent à saisir. She surrounded me with a love that even now I cannot understand. Et cela pendant 9 ans. And that for 9 years. J'étais malade. I was sick. J'étais mourant. I was dying. Lorsque je me levais pour regarder dans le miroir, je ressemblais à un cadavre dans un cercueil. When I would look at myself in the mirror, I was just I could see that I was already in the tomb. Et lorsque je me posais la question, and when I would ask myself a question, je me disais qu'est-ce que mon épouse peut attendre de moi? I would wonder what is she expecting from me. J'étais invalide. I could not do anything. J'étais incapable. I was unable. J'étais mourant. I was dying. J'étais sorti de rang des hommes vivants. I was no longer part of the human being alive, human beings. Malgré ça, il m'a tourné, il était à côté de moi. Meanwhile, she was still there and loving me. Mon épouse que vous voyez maintenant, il a 60 ans. And my wife has known her, now she has 60. En 96, elle était encore jeune. In 96, she was still young. Et nous étions au Québec. And we were living in Quebec. Il était capable de me laisser et d'aller parce qu'il allait trouver quelqu'un d'autre sur terre. She could have just left me and found someone else. Mais il ne m'a pas laissé. But she didn't abandon me. Elle travaillait. She was working. Elle a démissionné du travail pour que puisse venir à côté de moi. She let go of the job so she can be near me, beside me. Il a démissionné pour aller chercher à l'aide sociale. And she went and got the social welfare. De rester à côté de moi. So she can be beside me. Je ne savais pas manger, il devait me faire manger. I could not feed myself, so she had to feed me. Pour me déplacer, aller au petit coin, il devait me prendre le bras jusque là. And even to go to the washroom, I needed her help. Parfois pour changer, lorsque j'étais couché d'un côté, il devait m'aider à changer pour me mettre de l'autre côté. And sometimes when I'll be sleeping, she had to help me to sit on the other on the other side to move. C'était vraiment terrible. It was really terrible. Alléluia. Amen. Amen. Je profite de son absence pour en parler parce qu'il ne veut pas que j'en parle. I'm taking this opportunity that she's not here, so to talk about it because I know she would like that I share this with you. Et il était à côté de moi. So she was beside me. Et lorsque je la regardais triste, je me disais qu'est-ce qu'il attend de moi? When I would see her sad, I would wonder what she waiting expecting from me. Je suis fini. I'm done. Alléluia. Amen. Je suis fini. I'm done. J'étais comme Naomi lorsqu'il disait à ses belles filles, qu'est-ce que vous attendez de moi? Moi, je suis fini. Vous pouvez partir, allez vous marier.
And I was like Naomi when she would tell her daughters-in-law just to go away, that she didn't have anything for them. Cet amour qui m'aimait, c'était un amour qui venait de Dieu certainement. And the kind of love that she showed me is only from God. Parce que d'elle-même, elle ne pouvait pas avoir cet amour. Because by herself, she could not have that kind of love. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu, God's love, est profond et large. It's deep and wide. Alléluia. Amen. Amen. La grâce de Dieu est d'autant plus grande que le monde ne peut le connaître ni l'accepter. The grace of God is so greater that the world cannot understand it nor accept it. Alléluia. Lorsque les gens, les plus proches qui venaient soi-disant me visiter, when my relatives will come to visit me, certains lui demandaient, mais est-ce que tu attends qu'un jour il va être guéri? Some would ask her if she is expecting for me to be healed. Pour lui dire abandonne. Just to discourage her. Alléluia. Amen. Mais elle avait accepté Jésus-Christ. But she accepted Jesus Christ. Il avait Jésus-Christ dans son cœur. She had Jesus Christ in her heart. C'est cela qui l'a maintenu. And that's what holding. That et lorsque les gens lui parlaient, and when people will talk to her, il regardait pour dire vous ne connaissez pas Jésus-Christ. She would look at them and say, you don't know Jesus. Alléluia. Amen. C'est celui qui fait confiance en Christ. Only the one who trusts in Jesus fait la différence. Can make the difference. Entre les deux catégories. Between the two categories. La première catégorie, c'est celui qui fait confiance en lui. It's the one who trusts in. La deuxième catégorie, c'est celui qui n'a pas la foi en lui. And the second category is the one who doesn't have faith in him. Hallelujah. Amen. Pour aimer réellement, to love really, il faut avoir confiance en Jésus. You must have faith in Jesus Christ. Celui qui n'est pas habité par Jésus Christ, the one that doesn't have Jesus Christ, son amour est de quelques minutes, après quelques minutes, il change. So the love that person have is a love that changes every second, every minute. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus Christ, someone who doesn't know Jesus Christ, il change l'amour comme on peut changer des coussins, comme on peut changer des chaussures. They kind of love is changing your shoes. Mais celui qui connaît Jésus-Christ, but the one who knows Jesus Christ, son amour demeure. Their love abide. Alléluia. Son amour ne bouge pas. Their love doesn't change, doesn't move. Son amour n'est pas comme une feuille d'un arbre qui bouge avec tout le vent qui passe. The love is not like a flower that moves when there is a wind. C'est un amour enraciné. It's a love that is rooted. Un amour qui est fondé sur Jésus-Christ est un amour enraciné. A love that is based on Jesus Christ is a love that is rooted in him. Je voudrais tirer votre attention. I want you to pay attention. Nous sommes en train de distribuer des invitations aux appelés de Dieu. We are distributing the pamphlets. Mais ça ne signifie pas, par exemple, ça ne signifie pas, par exemple, qu'une première réponse négative à l'évangile. But it doesn't mean when we get a negative response to the message. Implique une condamnation. Implies a condemnation. Une condamnation définitive. A definite condemnation. Je voudrais dire. I want to say. Je l'ai vécu d'ailleurs, ce que je suis en train de vous dire. And what I'm telling you, I went through it. Tu frappes à la porte. You can knock on the door. Je fais de porte à porte. And I went from door to door. Il y a quelqu'un qui frappe. There's some doors were over. Il ouvre la porte. And they will open the door. Qu'est-ce qu'il y a? They'll ask what's going on. Moi je dis Jésus-Christ est aime. Je voudrais te parler de Jésus-Christ. And I will tell them Jesus Christ loves you and I would like to talk to you about Jesus Christ. La réponse est dit, je suis pas intéressé. And the answer will be I'm not interested. La réponse est dit, je suis homosexuel. And the answer will maybe I'm gay. La réponse est dit, c'est moi je suis athée. And some will say, I'm an unbeliever. Et
réponses semblables. And many other responses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ces personnes-là, but those people, ne sont pas condamnées pour autant. They're not judged for. Parce que notre Dieu est un Dieu patient. Because our God is a patient. Notre Seigneur Jésus-Christ est patient. Our Lord Jesus Christ is patient. Lorsque moi je me heurte à une telle situation, when I'm facing that kind of situation, je me souviens que moi-même j'ai passé par là. I remember that I went through the same thing myself. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont venus chez moi en Afrique et en Europe. Many servants of God came to see me. Et je leur disais, je suis catholique. And I will tell them, I'm a Catholic. Je ne veux pas ces religions, de nouvelles religions. I don't need those new religions. Je ne voulais même pas écouter. And I didn't even want to hear them. Je ne voulais même pas avoir la curiosité intellectuelle de dire, qu'est-ce que vous voulez dire? I didn't even have that current intellectual curiosity to know it was going on. Je les arrêtais avant de parler. I would stop them even before they say a word. Parti. Go. Quitte ma parcelle. Leave my property. Hallelujah. Amen. Notre Seigneur est patient. Our God is patient. Il est patient. He is patient. Il donne à chacun de nous qui le désire le temps de changer. He gives to each and every one time to change. Le temps de changer. Time to change. Le temps de venir à lui. Time to go to him. Le temps de comprendre. Time to understand. Il prend le temps. He takes the time. C'est ce que j'ai bénéficié. And that's what I benefit from. Sinon, s'il n'était pas patient, il m'aurait rejeté. If he was not patient, he would have rejected me. Parce que je l'ai fait à plusieurs reprises aux serviteurs de Dieu. Because I did it many times to the servants of God. Je regrette maintenant. And now I regret it. Je regrette maintenant. I regret it. Alléluia. Amen. Car il n'est pas venu. Pourquoi il est patient? Why is he patient? Il n'est pas venu pour condamner. He didn't come to judge. Il n'est pas venu du ciel pour venir nous condamner. He did not come to judge. Il est venu pour nous sauver. He came to save us. C'est pourquoi il est cette patience. That's why he is patient. Rappelez-vous cette femme qui avait commis l'adultère, on l'a amenée devant lui. And you remember that woman that committed adultery, they brought her in front of him. On lui disait, voici ce que la loi de Moïse dit. And they will tell him, this is what the law of Moses says. Une femme comme celle-ci, on le tue à coups de pierre. A woman like this, we have to kill her, with stones. Il a gardé le silence. He kept quiet. Il aura poursuivi. And they kept on going. Il a gardé le silence. He kept quiet. Ils ont insisté. They insisted. Et finalement, il leur dit que celui qui n'a jamais commis un péché, il lui jette la première pierre. And finally, he said, if anyone who hasn't committed sin, through the first stone. Parce qu'il savait que cette femme aussi, Jésus-Christ était venu pour mourir pour lui. Because he knew that he came to die for her too. Parce qu'elle faisait partie des personnes qu'il allait sauver. Because she was a part of those people that he came to save. Il a droit à la rédemption. So she was allowed to have his mercy. C'est pourquoi il n'a pas condamné. That's why he did not judge her. Et tout le monde est parti. And everyone left. Il est resté celui qui n'avait pas péché. And remained the only one who didn't commit sin. Autrement dit, c'était le seul Jésus-Christ qui pouvait lui jeter seulement la pierre. In other words, only Jesus could have stoned her. Parce que tout le monde avait péché. Because everyone had sinned. Et tout le monde a fui. And everyone had fled. Jésus-Christ est resté seul avec la femme. And Jesus Christ remained all alone with the woman. Il était la seule personne qui pouvait lui jeter la pierre. And was he the only one who could? Qu'est-ce qu'il a dit à cette femme? What did he say? Moi aussi, je ne te condamne pas. I'm not judging you. Va et ne pêche pas. Go and no longer sin. Voici ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit aujourd'hui. This is what our Lord is telling us today. Va et ne pêche pas. Go and don't sin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il est patient, il est venu nous sauver. So he is patient and he came to save us.
Il nous a apporté sa grâce. And he brought us his grace. Il nous a apporté son amour. He brought us his love. Qu'il avait amené de son père. That he brought from the father. Cependant. But. Cependant. But. Un jour. One day. Un jour il viendra. He will come back. Le jour viendra. The day will come. Et ce jour est proche. And that day is soon. Alléluia. Où notre Seigneur viendra d'abord pour chercher ceux qui croient en lui. Where the Lord will come back and get those who believe in him. Ça sera la première venue de notre Seigneur Jésus-Christ depuis qu'il est monté au ciel. That will be the first coming once he went to heaven. Tu seras avec quelqu'un à côté de toi. You'll be with someone, standing with someone. Il partira, toi tu vas rester. He will go and you remain. Parce que tu n'es pas en ordre. Because you're not in order. Nous devons nous préparer. We have to get ready. Nous devons être en ordre chaque jour, chaque seconde, chaque minute, à tout moment. We have to get ready at all times. Parce que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Because we don't know nor the day nor the hour. Alléluia. 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 Et il prendra ceux qui lui sont restés fidèles. And he will take those who remain faithful to him. Est-ce que toi, mon frère, toi, ma soeur, you, my brother, my sister, est-ce que tu es en permanence fidèle à Christ? Are you permanently faithful to Christ? La parole de Dieu nous dit que nous devons demeurer en Christ. The word of God said that we have to abide in Christ. Et il faut nous habiller en Christ. And then we have to clothe ourselves with Christ. Est-ce que partout tu es, pendant toute la journée, tu es habillé en Christ? Where you go every day, are you clothed in Christ? Et ou bien lorsque tu sors ici de cette église, tu arrives de l'habillement de Jésus. Or when you left the church, do you take or you take Jésus veut que nous restions habillés en lui. He wants us to be permanently clothed in him. Alléluia. Il amènera le ciel lorsqu'il viendra chercher ceux qui viendront, ils partiront. Nous allons le chercher. Où sont-ils? Ils ont été enlevés. And those who will remain faithful to him will be gone, and the left behind will be looking for them. Et on les enlève. On va notre Seigneur va les enlever. And he will take them. Pour aller vivre ensemble avec eux dans son royaume au paradis pendant 1000 ans. And they will live with the Lord for 1,000 years. Pendant 1000 ans. For 1,000 years in his kingdom. Et lorsqu'ils seront partis, and when they'll be gone, il y aura plus de grâce de Dieu sur ceux qui sont restés. The grace of God won't be any more available for those Nous ne pourrons plus de parler de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ ne sera plus là parce que c'est lui la grâce. And Jesus Christ won't be present because he is the grace of God. Nous ne parlerons plus de Dieu parce que Dieu ne sera absent. And we won't talk about God because God won't be. Dieu present. Sera concentré sur les personnes qui l'ont amené au paradis. And he will be focusing on those who will be in paradise with him. Ceux qui n'ont pas été enlevés. And those who will be left behind. Resteront sans Dieu. Remain without God. Resteront sans grâce. Without grace. Ils pourront faire leurs activités comme ils veulent. They will be able to do their activities that as they wish. Parce que Dieu sera déjà retiré. Because God will not be. Alléluia. Je voudrais vous dire que ça sera un moment dur. I want to tell you that it will be an awful time. Un moment terrible. A terrible time. Alléluia. Amen. Pendant 1000 ans. For 1,000 years. J'ai compté c'est pendant 10 siècles. And I counted it will be for 10 centuries. 10 siècles. 10 centuries. Et que Dieu sera absent. That God won't be present. Et lorsque les 1000 ans seront terminés, and after the 1,000 years, il y aura une seconde avenue. There'll be une seconde venue. There'll be a second coming. Il reviendra pour la deuxième fois. He'll come back for the second time. Cette fois-ci. But this time. Ce ne sera pas de prendre
quelques personnes. It won't be about taking a few people. Tout le monde le verra. Everyone will see him. Le méchant comme le juste. The evil one and the just. Tout le monde va trembler. And everyone will be trembling. Sauf ceux qui ont été arrivés, évidemment. Except those who will be. Parce qu'ils seront dans le sein de notre Seigneur Jésus-Christ. Because they will be in with our Lord. Et tout le monde va trembler. And everyone else will be trembling. Ceux qui refusent Jésus-Christ vont trembler aussi. And those who refuse Jesus Christ will be trembling. Parce que nous le verrons dans les airs. Because we'll see him in the air. Il viendra comme un roi. And he'll come back as a king. Il viendra comme Dieu. As a God. Il viendra comme juge. As judge. Et chaque personne sera jugée, sauf ceux qui ont été à lui. And each and everyone will be judged except those who will belonging to him. Parce que c'est la parole de Dieu nous dit que tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ ne seront pas jugés. Nous venons de le dire même. Because the word of God said that those who believe in Jesus Christ won't be judged. Nous devons faire attention. We have to pay attention. Nous devons veiller à nous. We have to watch over ourselves. Nous devons veiller sur notre temps. And watch over our time. Nous devons veiller sur notre emploi du temps. And the way we use our time. Alléluia. Comment? How? Tu dois, si tu es marié, tu dois commencer par veiller sur ton épouse. If you are married, you have to watch over your spouse. Si tu es marié, tu dois veiller encore sur ton époux, ton mari. You have to watch over your husband. Parce que tu ne peux pas aller aimer, aider et vivre si Dieu que tu n'as jamais vu. Because you cannot love the God that you have never seen. Alors que tu ne parviens pas à faire pour celui qui est tout le temps avec toi, qui dort avec toi, qui mange avec toi, partout tu le trouves, partout tu le trouves. Why you cannot love the one next to you? Alléluia. 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 Nous devons veiller. We have to be awake. L'amour envers nos enfants. Love towards our kids. L'amour envers les voisins. Love towards our neighbors. L'amour envers nos frères. Love towards our brothers. Ça va s'étendre jusqu'à l'extrémité de la terre. And extend to the ends of the earth. Frères et sœurs en Christ. Brothers and sisters. Le moment sera très difficile. Time will be hard. Ce n'est pas pour vous faire peur. It's not to scare you. C'est la Bible qui nous dit. It's the Bible that says so. Je ne fais que vous répéter ce que la parole de Dieu dit. I'm just repeating what the word of God says. Ayez la crainte de l'Éternel. Let fear God. Souvenez-vous de l'amour. Jésus-Christ, le Père n'a pas envoyé son Fils unique pour amuser la galerie. God the Father did not send His Son just to waste time. Il aime son fils. He loves His Son. Et il donne la valeur. And He valued Him. Et celui qui n'a pas tenu compte que son fils est arrivé. And the one who didn't take an account that His Son did not come. Gare à lui. You must be careful. Alléluia. Alléluia. Nous devons confesser nos péchés régulièrement. We have to confess our sins regularly. Lorsqu'il t'arrive de commettre des péchés par ton langage, tu as parlé mal à ton mari, tu as parlé mal à ta femme, tu as parlé mal à ton enfant, tu as parlé mal à ton collègue de service, répands-toi immédiatement. When you spoke evil to your to the people next to you, repent immediately. Parce que nos jours sont comptés. Because our days are counted. Alléluia. Yeah. Nos jours sont comptés. Our days are counted. Tu ne sais pas ce qui t'attend autour. You don't know what's waiting for you on the Alléluia. Tous ceux qui ont accueilli Jésus-Christ. All those who receive Jesus Christ. Dans la vie comme sauveur et Seigneur. In life as their Savior. N'appartiennent plus ni au monde ni à eux-mêmes. Don't belong neither to the world nor to themselves. Alléluia. Lorsque tu sens que tu appartiens encore à toi-même. When you feel like you still belong to yourself. Tu n'es pas encore à Jésus. You're not in Jesus Christ. Quelqu'un qui sait que c'est mon orgueil personnel, c'est ma fierté personnelle, c'est ceci, c'est cela. Tu n'es pas en Jésus Christ. When you start feeling that pride, feeling all this belongs to me, or this and this, you know you're not in Christ. Celui qui sait qu'il est en dehors de lui-même.
and the one who feels that they're out of themselves. Et que tout en vivant dans le monde, il est en dehors du monde. While they're living in the world, they do not belong to the world. C'est celui-là qui est en Jésus-Christ. That's the one that is in Jesus Christ. C'est celui qui est en Jésus-Christ. That's the one that is in Jesus Christ. Alléluia. Pourquoi? Why? Parce que l'amour de Dieu les environne, ces personnes, ces genres de personnes. Because the love of God surrounds those kind of people. Environné. Surrounded. S'habiller. Clothes. Se couvrir. Covered. Se couvrir de l'amour de Dieu. Covered by the love of God. Alléluia. C'est par grâce que Christ nous a acquis que nous avons eu cet amour-là. It's by grace that we receive that love. Ce n'est pas par mérite. It's not because we're worthy of it. Ce n'est pas par des œuvres. It's not by our works. C'est par grâce. It's by grace. Dieu nous a envoyé sa grâce qui est Jésus Christ. God sent us His grace, that's Jesus Christ. Dieu nous a envoyé son salut qui est Jésus Christ. And God sent us His salvation, and that is Jesus Christ. C'est celui-là qui fait que nous appartenons à Dieu. And He's the one that made us part of God's family. Jésus Christ a acquis tout cela à la croix de Golgotha. And Jesus Christ acquired all that at the cross of Golgotha. Depuis à la croix de Golgotha où Jésus-Christ est mort. At the cross of Golgotha where Jesus Christ died. Nous suivons un chemin autre. Since that time we're following another path. Un chemin éclairé. A lighted path. Où il n'y a plus de ténèbres. Where there's no darkness. Il n'y a plus d'obscurité. Where there's no darkness. Parce que nous sommes éclairés par le Saint-Esprit. Because we are enlightened by the Holy Spirit. Non, je peux avoir aussi le Saint-Esprit. Oh, I can have also the Holy Spirit. Si tu n'es pas en Jésus-Christ. If you're not in Jesus Christ. Le Saint-Esprit ne viendra pas. The Holy Spirit won't come. La présence de Jésus-Christ attire le Saint-Esprit. The presence of Jesus Christ attracts the Holy Spirit. Là où Jésus-Christ n'habite pas, l'Esprit de Dieu ne vient pas. Where the Spirit of God doesn't leave, where Jesus Christ doesn't leave, the Holy Spirit doesn't come. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. L'amour de Dieu est profond et large. The love of God is deep and wide. Nous pouvons lire 1 Jean 4, versets 8, 12 et 17. We can read in the first book of John, chapter 4, verse... 1 Jean 4. First book of John, chapter 4. Et Jean 4, verset 8. Verse 8. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Verset 12. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure à nous et son amour se manifeste premièrement parmi nous. Verset 17. Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement. D'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que le Christ a connu lui-même. Alléluia. Amen. Voici. Nous référons à la vie de Jésus-Christ ici à terre. We refer to the life of Jesus Christ on earth. Si tu n'aimes pas, tu n'es pas de Dieu. If you don't love, you don't belong to God. Alléluia. Dieu va nous dire que nous devons aimer même nos ennemis. God was said that we should love even our enemies. Alléluia. Amen. Il se fait chaque jour où il y a les choses qui ne marchent pas dans le couple, dans la famille, le mari et la femme passent deux jours, trois jours sans se parler, voire même une semaine. And it may happen that there's something going on in the family and the husband and wife spend a week without talking to each other. Que chacun de vous se dise, je ne suis plus de Dieu. Let everyone
commencer à non longer belong to God. Dans une telle situation. In such a situation. Lorsque tu ne parles plus à ton épouse ne te parle pas. When the husband or the wife don't speak to each other, say to yourself. Je n'appartiens plus à Dieu. I don't belong to God anymore. Je suis en dehors de Dieu. I'm outside. Je suis comme Saül lorsqu'il avait commis le péché, Dieu l'a abandonné. It's not so when you commit a sin, God abandoned you. And you also God abandoned you. Lorsque tu fais de manière quelque part. When you do those things that are not correct, illegal. Dieu t'abandonne. God is not with you. Jusqu'à ce que tu demandes pardon. Until you ask for forgiveness. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Je profite de vous dire, je lisais dernièrement, on parlait des péchés. And lately I was reading somewhere where they were talking about sin. Tout péché, tu peux résister à ce péché-là. You can resist sin. Satan peut te pousser à commettre le péché. The devil can push you to commit a sin. Et tu peux résister. And you can resist. Nous avons dit que nous devons résister au péché. And we said that we have to resist the sin. Mais pour le péché d'adultère et de fornication. But for adultery. La Bible nous dit qu'il faut fuir. The Bible says you have to flee. Parce que si tu résistes, tu vas tomber. Because if you try to resist, you will fall. Ne reste pas sur place. Don't remain there. Prends la fuite. Leave. Tu es abordé par quelqu'un qui vient te faire tomber. You are someone comes to you and they want to make you fall. N'attends pas. Don't wait. Fuis. Run. Cours. Run. Comme quelqu'un qui vient de voir un lion de la forêt. Like someone who just saw a lion. Le péché, les deux péchés, ce sont des péchés terribles. Qui vont tomber des serviteurs de Dieu, des hommes qui ont des foyers, des hommes qui ont des familles. Tous ces gens tombent. Those two sins are terrible and can make anyone fall. Parce qu'ils ont essayé de résister. Because they tried to resist. Alors que la Bible nous recommande de fuir. While the Bible says to run. Nous lisons Joseph en Égypte. We can read Joseph in Egypt. La femme de Potiphar était une occasion de chute. And the wife of Potiphar was an occasion of. Il n'a pas résisté. Il n'a pas résisté. He didn't try to resist. Il a fui. He ran. La Bible nous dit qu'il a fui. The Bible said that il a fui. He ran. Et la femme a pris ses habits, son manteau pour le tirer, mais il a laissé le manteau. Il a dit, prends mes mains. And the wife of Potiphar tried to hold on to him, he let go of his coat and ran. Voici quelqu'un qui a fui la fornication. Et l'adultère. And this is someone who nous tous, us all, nous devons faire la même chose. We must do the same thing. Alléluia. Dieu est amour. Celui qui n'aime pas est en contradiction avec la nature de Dieu. God is love, and the one who doesn't love is opposed to the nature of God. L'amour fraternel. The brotherhood love. Dans la communauté. In the community. Est le reflet de l'amour divin qui existe au sein de la Trinité. Must reflect the love that is present in the Trinity. Dans la Trinité, the Trinity of God. Le Père aime le Fils. The Father loves the Son. Le Fils aime son Esprit. The Son loves His Spirit. Et les trois personnes en Dieu s'aiment. Leur amour fait que c'est un seul Dieu. And their love make them one God. C'est pourquoi on nous dit que l'homme et la femme c'est une seule chair. And that's why they said that the husband and wife are one body. Personne ne peut détester sa jambe. No one can hate on their head. Personne ne peut détester sa tête. Or their head. Parce que vous êtes un avec cette. Vous êtes un ou une avec cette tête. Because you are one with that head. C'est de la même manière que la Sainte Trinité c'est entre eux. And that's kind of the same love that's in the Trinity of God. Alléluia. Dieu est esprit.
God is spirit. Aurait dit dans Jean chapitre 4 verset 24. He said in John chapter 4 verse 24. Dieu est lumière. God is light. C'est dit dans Jean chapitre 1 verset 5. In John chapter 1 verse 5. C'est pourquoi. That's why. Ceux qui sont unis à Christ. Those that are united in Christ. Aiment. Love. Ils aiment. They love. Parce qu'ils sont dans l'Esprit de Dieu. Because they are in the Spirit of God. Ils prient en esprit et en vérité. They pray in the Spirit and truth. Frères et sœurs en Christ, évitons de prier avec des sentiments. Brothers and sisters, avoid to pray with emotions. Oh, Dieu ne m'a pas répondu. Oh, je n'ai pas senti quelque chose. Je n'ai pas tremblé. Oh, I didn't feel anything. God didn't hear me. I didn't tremble. Ou lorsque tu es en train de prier, tu trembles. Or you try to make yourself tremble. Oh, Dieu. Oh, God. Non. No. Ce n'est pas ça. It's not Il faut prier en esprit et en vérité. You must pray in spirit and truth. Ou bien lorsque tu es en train de prier, tu pleures. Or when you pray, you cry. Non, ce n'est pas en pleurant que Dieu va répondre. It's not because you're crying that God will answer. Dieu répond lorsque tu es en vérité en esprit. God answers when you're praying in spirit and truth. Et nous devons prier dans le monde. And we have to pray in the world. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde. Our Lord Jesus Christ came in the world. Pour chasser les ténèbres. To chase away the darkness. Nous qui sommes en lui. Us who are in him. Il faut que là, partout où nous entrons, ou partout où nous passons, les ténèbres doivent dégager. Wherever we are, the darkness must flee. Lorsque tu vois que les ténèbres ne dégagent pas, when you see that the darkness is not running, c'est que tu n'habites pas en Jésus-Christ. It's because you are not living in Christ. Alléluia. Il suffit de prononcer obscurité, sort. You just have to order the darkness to leave. Tu trouves les gens qui sont en train de parler mal de l'Église, de parler mal de Jésus-Christ, de parler mal de serviteurs de Dieu. Tu t'arrêtes, tu le regardes, tu ordonnes de chasser l'obscurité qui est ici. When you find people talking evil about the church, the God, or his servants, you must rebuke that spirit. Les invitations que nous donnons, the pamphlets that we give, ce sont des invitations qui chassent l'obscurité. They rebuke the darkness. Alléluia. En fait, que Christ et son esprit règne dans le cœur de tout être humain. So that Christ and His Spirit reign in everyone's every human being hearts. C'est pourquoi nous distribuons ces invitations. That's why we distribute those invitations. C'est pour que l'obscurité disparaisse dans le quartier. So that the darkness can flee in the city. L'amour de Dieu est profond et large. The love of God is deep and wide. Alléluia. La Bible nous révèle des choses merveilleuses et profondes. The Bible reveals us wonderful things and profound. Et le refait en termes simples. And reveal it in simple terms. Les termes de la Bible, ce ne sont pas un français très compliqué. The language of the Bible is not complicated. Et même aussi, il y a une phrase compliquée, celui qui prêche doit la rendre simple. And if there is something a language that is complicated, the one preaching must pour be que cette simple. Phrase arrive au niveau de tout le monde. So that word can get to the level of everyone. Les termes que nous devons utiliser lorsque nous évangélisons, ça doit être des termes compréhensibles. And the language we use when we are evangelizing, it must be simple. Car Dieu veut que son amour soit proclamé dans ce quartier de Hermès et les autres environnants sans distinction. Because God wants His love to be spread in Elmer and all other cities around it. Non, la parole de Dieu. Not distinguish. Il faut que je donne ça à un ingénieur.
No, I have to share the love of God. Il faut que je trouve un grand médecin. I have to find a big doctor. Il faut que je trouve un fonctionnaire ou une fonctionnaire de l'État. I have to find a proper servant. Les gens qui peuvent comprendre et concevoir la parole de Dieu. The kind of people who can understand the word of God. Ce n'est pas ça le but. That's not the purpose. Le but c'est que chaque personne que tu rencontres reçoive Jésus-Christ. The purpose is that every person that you meet must receive Christ. Alléluia. Dieu est amour. God is love. Voilà une phrase très simple. This is a simple phrase. Lorsque vous allez trouver les gens, lorsque vous allez frapper à la porte, Jésus-Christ t'aime, Dieu est amour, c'est ça que je viens te proclamer. And when très you go knocking on the door, just say, Jesus Christ is love and God loves you. Un terme à utiliser lorsque nous faisons des portes à porte pour annoncer Christ. And those are the kind of words that we use when we're doing, going from door to door to proclaim Jesus Christ. Car cette portion des Écritures, because that portion of the Scriptures, est d'une portée qui dépasse d'autres termes à nous. Goes beyond any word that we can use from our own vocabulary. Que nous pouvons présenter à cet effet, à l'Évangile. That we can present. Partageons donc aux autres l'amour et la lumière. Let's share with others the love and the light. Sans peur ni timidité. Without fear or timidity. Cessez d'avoir peur, cessez d'être timide. Stop being shy and being scared. Parce que l'esprit que nous avons reçu de notre Père. Because the spirit that we've received from our Father. Est un esprit de puissance et de force. Is a spirit of power and strength and might. Si tu sens que tu as peur ou que tu as honte ou que tu es timide. When you feel that you are scared, the shy. Invoque Jésus-Christ, invoque l'Esprit de Dieu pour qu'il t'arme de puissance. Call upon the Spirit of God, call upon Jesus so he can cover you with his strength. Et à chaque fois que tu veux distribuer une invitation, and each and every time that tu arrives devant la porte, tu prends l'invitation que tu vas donner. Cet Esprit vient, accompagne cette invitation. Au nom de Jésus, amen. Et puis tu frappes. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. When you want to give a comfort.